Le poisson magique en LSQ. Pascal Lafrance. C'est l'histoire d'un pêcheur qui vivait dans une petite maison, qui avait un petit bateau et qui vivait une petite vie bien paisible. Un jour, le pêcheur attrapa un gros poisson qui n'avait pas l'air très bon. Le poisson était magique. Si le pêcheur le remettait à l'eau, le poisson promit de lui accorder un vœu. Le pêcheur se transforma alors en fermier, et ensuite en vedette de cinéma, et même en roi. Pourquoi? Parce que tous ses métiers ne lui convenaient pas. Que finira-t-il par choisir?